le travail d'un directeur de course, donc c'est d'anticiper, de préparer la course sur laquelle on est nommé pour être directeur de course. En ce qui concerne les 24 heures du Mans, il y a un gros programme à faire, notamment en avant, parce que ça nécessite un certain nombre de commissaires, donc il faut être en permanence en contact avec le circuit pour justement avoir le nombre demandé pour l'homologation. Ensuite, il faut être toujours en contact, toujours avec le circuit, pardon, pour justement faire en sorte que la piste soit préparée, que les couleurs soient faites, que les track limites soient peintes, que tout le système de chronométrage soit en place, que les commissaires soient en place. Enfin, il y a une grosse préparation justement pour que la course se passe correctement. À la fois oui et non, parce qu'il y a beaucoup de pédagogie. Malgré tout, une fois que la pédagogie est passée, parfois oui, il nous arrive d'être sévère. Alors les contrôles se font tout au long de la course. On a des contrôles de vitesse et souvent c'est là où ils se font tous prendre. On a des contrôles, on va dire, en termes de track limit sur le respect des règles sur la piste, savoir que les pilotes doivent rester sur la piste et non pas en dehors de la piste. Donc on a matérialisé les endroits où ils ne peuvent pas aller en vert pour encore une fois rappeler aux pilotes qu'il faut rester concentré et respecter les règles. Pour un pilote, s'il souhaite gagner les courses des 24 heures du Mans, et d'une déjà, il faut une hygiène de vie parfaite parce que la course est longue et dure. Il faut avoir aussi des coéquipiers avec qui on s'entend bien, parce que ça, c'est indispensable. Une moto qui convient aux trois. Et ensuite, un team qui va être capable de faire justement monter la mayonnaise. C'est-à-dire que des bons pilotes ne peuvent pas gagner avec un mauvais team et un bon team ne peut pas forcément gagner avec des bons pilotes. Donc il y a une alchimie à trouver et qui est indispensable pour gagner une épreuve de 24 heures.